Bonjour, bienvenue dans ce cours consacré à la probabilité. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer la probabilité d'un événement. Dans un premier temps, nous allons voir comment utiliser efficacement un arbre de choix pour changer un conditionnement. Dans un deuxième temps, déterminer la probabilité d'un événement en appliquant convenablement la formule de probabilité conditionnelle. Ensuite, nous allons voir comment utiliser la formule des probabilités totales pour déterminer la probabilité d'un événement et on finira par modéliser une situation par une loi binomiale. Je vous propose maintenant la méthode suivante. Dans une population, on utilise deux événements A et B. Si l'A est réalisé, par exemple B, et étant donné la probabilité de B, la probabilité de A sachant B et la probabilité de A sachant B bar. On se propose de changer le conditionnement, c'est-à-dire déterminer la probabilité de B sachant A. Pour cela, on va suivre les étapes suivantes. La première étape consiste à représenter un arbre de choix traduisant les données de l'énoncé. Il s'agit donc de mettre dans l'arbre en premier lieu l'événement connu B, puis en second lieu l'événement A conditionné par B. La deuxième étape consiste à calculer la probabilité de l'événement A, B de A, en utilisant la formule des probabilités totales. Dans la troisième étape, on calcule la probabilité de B sachant A en utilisant la définition. P de B sachant A est égal à P de A et B sur P de A. Voici maintenant l'énoncé de notre exercice. En prévision d'une élection entre deux candidats, A et B, un institut de sondage recueille les intentions de vote des futurs électeurs. Parmi les personnes qui ont répondu au sondage, 47% affirment vouloir voter pour le candidat A et les autres pour le candidat B. Compte tenu du profil des candidats, l'institut de sondage estime que 10% des personnes déclarant vouloir voter pour le candidat A ne disent pas la vérité et votent en réalité pour le candidat B. Tandis que 20% des personnes déclarant vouloir voter pour le candidat B ne disent pas la vérité et votent en réalité pour le candidat A. On choisit au hasard une personne ayant répondu au sondage et on note. A, l'événement, la personne interrogée affirme vouloir voter pour le candidat A. B, l'événement, la personne interrogée affirme vouloir voter pour le candidat B. Et V, l'événement, la personne interrogée dit la vérité. Première question, petit a. Calculer la probabilité des événements suivants. A et V, puis B et V. Petit b, calculer la probabilité que la personne interrogée dise la vérité. Deuxièmement, sachant que la personne interrogée dit la vérité, calculer la probabilité qu'elle affirme vouloir voter pour le candidat A. Troisièmement, montrer que la probabilité que la personne interrogée vote effectivement pour le candidat A est égale à 0,529. Quatrièmement, on choisit au hasard une personne ayant répondu au sondage et participé au vote et on note X, la variable aléatoire, qui associe le nombre de personnes qui votent effectivement pour le candidat A. Petit a, déterminer la loi de probabilité de X. Petit b, déterminer parmi ce groupe de n personnes le nombre moyen de personnes ayant voté effectivement pour le candidat A. Vous aviez tous les éléments pour répondre à cet exercice. Je vous conseille maintenant de cliquer sur pause pour réfléchir, puis on reprendra. Commençons par la première question petit a. Calculer la probabilité de A et V et de B et V. Alors, on commence par construire l'arbre de choix, traduisant les données de l'exercice. On met tout d'abord l'événement A de probabilité 0,47 et bien évidemment l'événement B de probabilité 0,53. Puis, en deuxième lieu, on met l'événement V conditionné par A et B, tel que P de V sachant A égale à 0,9 et P de V sachant B égale à
0,8. Donc, P de A inter V égale à P de A fois P de V sachant A. Donc, on obtient P de A inter V égale à 0,47 fois 0,9 qui est égal à 0,423. Ensuite, on a P de B inter V égale à P de B fois P de V sachant B. Par conséquent, P de B inter V égale à 0,53 fois 0,8 qui est égal à 0,424. Passons maintenant à la question 1b. Calculer la probabilité de l'événement V. La personne interrogée dit la vérité, donc elle affirme vouloir voter pour le candidat A et dit la vérité, ou elle affirme vouloir voter pour le candidat B et dit la vérité. Donc on peut écrire alors V égale à A inter V ou B inter V. Les deux événements étant incompatibles, alors P de V sera égal à P de A inter V plus P de B inter V qui est égal à 0,847. Passons maintenant à la deuxième question. Sachant que la personne interrogée dit la vérité, calculez la probabilité qu'elle affirme vouloir voter pour le candidat A. Donc, on veut chercher P de A sachant V, qui est égal à, par définition, P de A inter V sur P de V, c'est-à-dire 423 sur 847. Passons à la question 3. Montrer que la probabilité que la personne interrogée vote effectivement pour A est de 0,529. Pour cela, on note S, la personne interrogée vote effectivement pour le candidat A. Cette personne est soit affirme vouloir voter pour A et dit la vérité, ou affirme vouloir voter pour B et ne dit pas la vérité. Ce qui nous permet d'écrire alors S égale à A et V ou B et V bar. Les deux événements étant incompatibles, donc on peut écrire P de S égale à P de A et V plus P de B et V bar. Avec P de B inter V bar égale à P de B fois P de V bar sachant B, c'est-à-dire 0,53 fois 0,2 qui est égal à 0,106. Finalement, P de S égale à 0,529. Avant de passer à la quatrième question, j'aimerais bien vous rappeler le théorème et la définition de la loi binomiale. Alors, soit une expérience aléatoire constituée de n épreuves identiques, indépendantes et n'ayant que deux issues, succès S et l'échec E. On note P égale à P de S. Et on considère la variable aléatoire associant à cette expérience le nombre de succès réalisés au cours des n épreuves. Alors on dit que x suit la loi binomiale de paramètres n et p et est donné par la loi suivante. Les valeurs prises par x, c'est-à-dire x d'oméga égale à l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à n. La probabilité pour l'événement x égale à k est égale à cnk fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k, avec k appartient à l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à n. L'espérance de x est égale à n fois p, et finalement la variance de x est égale à n fois p fois 1 moins p. Passons à la quatrième question. Vous voyez bien que x suit la loi binomiale de paramètres n et p qui est égal à 0,529. Par conséquent, les valeurs prises par x sont 0, 1, 2 jusqu'à n. Alors, pour tout entier k appartenant à l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à n, on a la probabilité de l'événement x égale à k est égale à cnk fois 0,529 à la puissance k fois 0,471 à la puissance n moins k. Avec 0,529 désigne la probabilité du succès, c'est-à-dire P, et bien sûr 0,471, c'est 1 moins P. Quatrièmement, petit b, le nombre moyen de personnes ayant voté effectivement pour le candidat A et l'espérance de X qui est égale à 0,529 fois N.